Je vais faire une petite vidéo parce que je trouve intéressant, une fois qu'on a mangé une mangue, la peau à l'intérieur de la mangue, on dirait une sorte de chose imperméable, qu'on peut, une peau imperméable, au point que je me demande si on ne peut pas faire sécher cette peau. Je vais la mettre au frigidaire pour voir. Et ensuite l'utiliser pour faire un imperméable naturel. Alors j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas découvrir à l'intérieur de cette peau la vision mythique Christine et Laurie Granier d'Atlantide. Trois petits points, longue dose. Eh ben, on voit qu'on pourrait peut-être voir quelque chose si le très grand variateur, quand le très grand variateur sera relevé, eh ben, probablement on verra apparaître des choses qu'on devine un tout petit peu, toujours avec mon procédé là, extraordinaire qu'on a pu voir bah, tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, révéler des choses admirables. Mais bon, il faut éclairer beaucoup. Et alors, en éclairant beaucoup, on voit apparaître des choses très très jolies qui pourraient peut-être même servir, une fois comme je l'ai décrit dans la vidéo précédente, à faire des. Peut-être des nouveaux bijoux en augmentant, en agrandissant. Hein. Mais c'est pas facile. Ah tiens, on voit quand même apparaître. C'est en direct. J'avais pas réussi à le voir tout à l'heure. Donc c'est une piste à creuser par là. Donc. Ah, voilà. Ah oui, c'est. On voit. Oh! Oh là là, je me suis dit, est-ce qu'on verrait pas? Eh bien, j'ai été vraiment extraordinaire. Oui, oh! Oh! À l'intérieur d'une mangue. Hein. Donc, ben là aussi, ça va obéir à la loi de la quantité. Hein. Ça sera plus rare une fois que le procédé sera encore amélioré. Et donc on arrive à voir un peu la fameuse vision Christine et Laurie Granier d'Atlantide, langue d'eau. Un petit peu, hein, quand même, un tout petit peu on l'a vu. Mais c'est pas aussi flagrant. Dans le processus qu'on a découvert dans la vidéo précédente. Hein. Ouais. Eh bien, à suivre. Hein. Et alors là, donc, bah, moi, j'avais plutôt pensé que ça pourrait faire quelque chose d'intéressant comme imperméable de l'autre côté, la peau de la mangue. Mais est-ce que ça sèche là? On va voir. Si ça sèche. Mais on voit que si, hein, une fois qu'on a ôté tout l'intérieur de la mangue, eh bien, oui, elle est là, la vision. Et oui, oh, oui. Mais alors, comment la faire venir mieux encore, hein? On a essayé. Oh, mais oui. Alors il faudrait là que je ferme le diaph, beaucoup plus. Si j'arrive à fermer le diaph, je vais le faire. Je vais essayer de le faire en direct, là. Pardon pour les tremblements. Oh, il faudrait que j'arrive à faire monter le diaph. Je vais obscurcir encore plus. De manière à. Peut-être qu'on va voir quelque chose. Oh. Mais oui, oh, mais c'est ça l'idée, il faut fermer l'iris.
J'ai encore le fait, on va être dans le noir pendant un petit moment. J'ai encore fait et me rapprocher. Là maintenant, encore plus. Oh, oui. Mais voilà. C'est vraiment la découverte en direct. Hein. C'est la première prise, le premier essai. On a vu une partie. Ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Ça promet. Et il faudra que je fasse ça mieux que ça. Oh, mais oui. Oui, mais ça chauffe. Hein. Moi, là, j'ai la main dessous. Ça chauffe. Hein. Alors, voilà, c'est très très chaud. Est-ce qu'on peut pas mieux que ça? Non. J'ai peut-être trop fermé. Je vais ouvrir un petit peu le diaph. Je vais ouvrir le petit diaph un peu et donc on pourra voir ça. Voilà. Oui, ben c'est vers 5, 6. Hein. Là, je suis à 8. Voilà. À 8. Et il faut en s'éloignant un peu. Mais j'aurais pu faire un peu plus. Un peu plus. Alors là, encore plus fermé, hein, peut-être un petit peu plus fermé. Mais il faut, le problème, c'est qu'il faut pas perdre le faisceau de la lumière. Alors là, si on est, oula, là là, j'ai brûlé le, je brûle le ce qui entoure l'écran. Voilà, non, mais j'arrête là. On est sur la bonne voie. Hein. Donc, en fait, c'est surtout pour ça, cette chose-là. Il faut que je vais le mettre au frigidaire et puis on va voir si ça donne quelque chose.